Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Demolition de Jean-Marc Vallée, sorti en Blu-ray chez VVS Film le 9 août 2016 et mettant en vedette Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper et Judah Lewis. Après la mort de sa femme dans un accident de voiture qui l'a laissé sans égratignure, un homme travaillant en finance remet en question la vie morne qu'il vivait et tente de tout démolir pour recommencer à neuf. Jean-Marc Vallée nous offre un film sur la monotonie de la vie, sur l'effet d'engourdissement que ce genre de vie peut avoir sur nous, sur nos émotions, mais aussi sur notre corps. Bref, le sujet est un peu plus québécois, si on considère beaucoup de films d'auteurs qui sont sortis de nos artistes locaux dans les dernières années. La différence est que Jean-Marc Vallée y apporte un côté américain dans le scénario, dans la manière de filmer, dans les acteurs et leur manière de jouer. Sans parler que la culture américaine des personnages est, elle aussi, différente de la nôtre. Le mélange des deux est une réussite totale. Le sujet très québécois et la lourdeur de nos films, mélangés avec le dynamisme des films américains, nous montrent qu'il n'est pas nécessaire de simplement appuyer sur une lourdeur continuelle pour faire valoir une affirmation. Le film en tant que tel n'est pas nécessairement au niveau d'un chef-d'œuvre, mais c'est un film intelligent, profond, extrêmement bien écrit et réalisé avec des personnages complexes et tous très intéressants. Particulièrement le jeune Chris, joué par Judah Lewis, un personnage complexe à plusieurs niveaux et dont on ne voit que les quelques couches supérieures. On sent dans les personnages une touche de façon de faire québécoise, avec des personnages qui ont une origine complexe, moins unilatérale et surtout moins normalisée. Le scénario est là pour nous faire réfléchir sur la vie qu'on mène, sur l'engourdissement d'une vie basée sur la monotonie et la recherche d'une vie normale, et ça fonctionne très bien. Même si on n'irait peut-être pas jusqu'à démolir sa maison ou démonter les objets qui se trouvent autour de nous, on s'attache au personnage et on s'y reconnaît, au moins partiellement. La contrepartie de Chris, qui est, fondamentalement ainsi que par choix dans la marge de la société, apporte ce vent de liberté que plusieurs ne goûtent que pendant leur jeunesse et qui nous rappelle un peu ce que c'est de sortir de la frontière de la vie ordinaire. Le film est présenté en format d'image 2.35, en anglais et français Dolby True HD 5.1, avec les sous-titres en anglais et français. Dans les suppléments, on retrouve un documentaire derrière la scène et d'autres documentaires sur des aspects spécifiques du film. En conclusion, je dirais que Demolition est un film à voir et qui est intéressant non seulement à cause du sujet, mais aussi à cause de la combinaison des manières de faire à l'américaine et québécoise. Avec le cinéma américain, Jean-Marc Vallée semble avoir les moyens de son cinéma et semble être en mesure de pousser le film américain et ses personnages plus loin, en dehors des frontières confortables, banales et même monotones. C'était Michel, je vous remercie. Et bon visionnement.